aussi un autre niveau là pour être relative à l'appel. Parce que tout ce qu'on voit, c'est parce que les gens s'appellent. Comment on sait qu'on est appelé de Dieu? Et si le vrai, parce que je suis vos enseignements depuis 2009, mais je n'ai jamais entendu un témoignage sur votre appel à vous. Donc j'ai fait 700 km depuis le monde. Et je vois bien maintenant. Il n'y a pas ça là-dedans, Julien. Si tu appelles Julien, il n'y a pas de temps à rien. Et je voudrais réellement avoir le témoignage de l'appel de Dieu. Pour ne pas que les gens s'appellent. Comment je t'appelle? Je m'appelle Stéphane Confini. Stéphane Confini. Pourquoi tu veux? Parce qu'on m'a appelé. Voilà. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, tu l'entends. Et tu réponds à l'appel. Donc, le Seigneur dit dans Matthieu 19, il y a des eunuques qui sont devenus eunuques, qui sont eunuques depuis le vent de leur mère. Ça, c'est les trois types d'appels. Merci. Trois types d'appelés. Donc, les trois types d'appelés. Premièrement, c'est des gens, des hommes et des femmes que tu as appelés depuis le vent de leur mère. Comme il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, pardon, je t'avais appelé, je t'avais consacré prophète des nations. Il y a des eunuques qui ne sont plus devenus par les hommes. Ah, Kofi, il est gentil. C'est mon petit dans le ministère. Il porte ma Bible depuis des années. Il est gentil. Il me couvre dans mes péchés. Bon, ou Kofi a de l'argent. Je l'ai appelé ancien. D'abord, diacre ancien. Et puis, patriarche ou matriarche. Vous voyez, et je le confie une succursale de mon royaume. Une église à Marguerite, à l'église mère. Vous avez entendu parler de ça, l'église mère. Vous avez entendu parler de ça. Tiens, ton voisin, sorcellerie. Dis-lui, il n'y a pas d'église mère. Voilà. Donc, maintenant, là, tu vas gérer la petite église. Tu n'es pas appelé. Et tu vas forcer, tu vas faire la théologie, tu vas remplir le crâne de connaissances. Il n'y a rien. Voilà. Et il y a aussi des appelés qui se sont fait eux-mêmes violence. Parce qu'il y a la crise économique. La seule entreprise. C'est les églises. La seule entreprise où l'on peut facilement tondre les gens. Qui ne réfléchissent plus, pas tellement sur les problèmes sociaux, ce sont les églises. Donc, mais là, les gens s'improvisent prophètes. C'est pour ça que vous avez beaucoup de prophètes ici. Et les panneaux publicitaires, là, vous voyez, les postards, les gars, ils sont comme ça, là. Combien ce sont les escrocs? Ils vous parlent des dimensions. Vous allez connaître une nouvelle dimension. Vous ne voyez pas que depuis des années, on vous promet des dimensions, c'est toujours la même chose. Donc, l'appel, oui, Dieu appelle. Et puis si Dieu appelle, les vrais appelés, regarde, on fait confiance. Quand Dieu a appelé Élisée, il faisait quoi Élisée? Il travaillait, oui ou non? Quand Dieu a appelé Moïse, il était en train de faire quoi? Il était en train de perdre le troupeau de son beau-père, vrai ou faux? Quand il a appelé les apôtres, il était en train de pécher. Hein? Croissant. Nous, aujourd'hui, là, déjà, courent après l'appel. Les vrais appelés suivent l'appel. Aujourd'hui, les gens dévoient même Dieu. C'est pas ça l'appel. Attendez que Dieu vous appelle. Le premier et le plus grand appel, c'est l'appel au salut. Il nous a tous appelés aux noces. C'est ça le plus grand appel. Voilà. Ne cherchez pas à savoir si vous êtes apôtre, prophète, tout ça. Ce n'est pas ça qui sauve. Mettons de côté un peu le titre. Nous sommes enfants de Dieu, c'est le plus grand appel. Nous sommes fils de Dieu, c'est le plus grand appel. Voilà. Amen. Mon témoignage à vous. J'ai commencé à prophétiser à l'âge de 5 ans. Donc, je n'ai pas cherché la paix. À l'âge de 12 ans, 13 ans, Jésus m'a visité dans ma chambre. Et j'ai fui, je rentre dans le monde. Je ne voulais pas que je rentre dans le monde. Et il est venu me chercher encore là-bas. Il m'a amené à faire plus de 7 fois ou 7 plus de 7 fois. Il m'a imposé les mains. Il m'a dit, va et libère mon peuple. Je n'ai pas cherché. Les anges viennent comme ça, ils te prennent, t'amènent au ciel pour parler avec Gabriel, par exemple. Et j'arrive au ciel. Un jour, un ange m'a amené au ciel. Il m'a fait signer un contrat. Il m'a dit, voilà, signe un contrat ici. J'ai signé un contrat. Il m'a dit, c'est pour l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. J'ai signé. Il m'a dit, voici les outils. J'ai reçu les outils. Donc, il m'a ramené. Donc, on ne forçait pas. Regarde. On a fait tomber d'affiches pour que les gens viennent comme ça. On ne forçait pas. Dieu attire son peuple. Alors que tous les pasteurs ont fermé la porte de leur bâtiment, tout ça, et Dieu a ouvert les portes des nations. C'est ça la paix. On ne force pas. Voilà. Amen. Ne cherchez pas ce que les gens vous établissent. Fuyez cela.